Qu'est-ce que... Vas-y, on te pose la question, Hine, puisque tu es là et tu prends la parole. Qu'est-ce que l'islam lui a fait subir à cette femme? Je t'écoute. Je pense que tu connais pas ces textes-là. Tu connais pas les textes de ta religion. Et je pense que tu es au courant. Je vais pas refaire la parole de plusieurs gens qui, en fait, qui tiennent ces lives-là. Mais l'islam, en fait, il y a beaucoup de principes dans la religion musulmane qui sont tout aussi, qui sont dégueulasses, en fait. Alors, déjà, le fait de me dire que je ne connais pas les textes, on les entend 24 heures sur 24 sur les réseaux, parce que t'inquiète pas que tu n'es pas la seule détractrice de l'islam. Yaguer, juste avant que je te laisse te continuer, est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, parler genre calmement et de manière pas condescendante? Tu montes et tu dis dans le plus grand des calmes, vous connaissez pas vos textes, et tu me parles à moi de parler de manière condescendante, mais en fait, tu me connais, moi. Est-ce que tu me connais? Tu parles de manière condescendante, je parle de ça. Genre, depuis tout à l'heure, il y a... Est-ce que tu connais le vice de monter sur un... Grenade, et de dire dans le plus grand des calmes, vous ne connaissez pas vos textes? Et ça, c'est quoi? C'est pas de la condescendance, ça? C'est factuel, parce que la condescendance... Mais tu parles à des gens, tu ne connais pas leurs connaissances. Est-ce que tu connais les connaissances des gens de ce live? En même temps, tu veux simplement imiter la bande de Jack La Folle. Tu veux simplement imiter... Non, c'est pas que j'imite. Bien sûr que si, tu veux les imiter. Laisse-la parler. On écoute, s'il vous plaît. Merci. Déjà, quand je dis que tu ne connais pas les textes de l'islam, je ne suis pas condescendante. C'est simplement un fait. D'accord? Parce que si tu supportes encore une religion qui pousse à la pédophilie, à l'esclavage, voilà, et à beaucoup d'autres choses comme ça, bien sûr que tu ne connais pas tes textes. Tu viens de citer le terme pédophilie, donc tu ne connais pas les textes de l'islam. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas le vice de ces vicieuses-là, d'accord? Je n'ai pas leur vice. Je ne suis pas vicieuse, Je vais parler. Ferme ta gueule! Je n'ai pas le vice. Tu vois la vie? Je n'ai pas le vice. Je n'ai pas votre vice. Il n'y a plus de débat. Allô? Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. S'il vous plaît, je voudrais répondre à ça. S'il vous plaît, mes frères. Après, je ferme ma gueule et je me... Non, mais tu la fermes jamais. Tu l'ouvres tout le temps. Attends, Cam. Tu fermes ta gueule, Cam. Tu t'emmerdes, El Baroud. Gueule, Captain, ça y est. Ta gueule, on a. Ta grand-mère là. Et elle est en train de descendre là au CLM. Dans le
plus grand des calmes. Elle est en train de l'insulter de pédophile et tu veux que je garde mon calme, espèce de sale chienne, espèce de grosse chienne du net, espèce de lèche-cul de Jack Lavoie. Toi, tu vas pas insulter mon prophète, moi, je te le dis. Toi, tu vas pas insulter mon prophète de pédophile, espèce de sale chienne. Espèce de sale toutou, espèce de sale toutou, t'es la toutou et t'es la chienne de Jack Lafroy. La seule chienne, ça c'est toi. Voilà, c'est toi la grosse chienne, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. L'image que tu fais circuler de toi-même, c'est quand même grave. Ferme ta gueule, vous venez insulter le prophète. Vous venez insulter le prophète de pédophile, tu crois que je vais fermer ma gueule? Ouais, les gens qui vous les insultent, les frustrés, vos chiennes! Voilà, vous êtes des chiennes! Est-ce qu'il y a insulté le prophète par un CLM? Vous êtes des chiennes! S'il vous plaît, Dagger, ma sœur, Dagger, je peux parler à Dagger vite fait et je descends, ça va être très très court tout à l'heure. Dagger, ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire, ma sœur. Écoute bien. T'as vu, si tu te considères musulmane, réfère-toi au Coran. Ça va être très très simple. T'as vu, dans le Coran, Allah, il a dit à vous vos croyances, à moi mes croyances. Écoute-moi, ma sœur. On dit que c'est que je suis en train de parler. Mais ferme ta gueule, la Blizzard, elle parle. Elle parle. Tu peux la fermer. Tu peux fermer ta gueule. Je donne pas mon avis, moi. Je ne vais pas donner mon avis. Je vais pas donner mon avis. Je cite les textes et tout. À vous votre croyance, à moi la mienne. T'as vu Hadam Aken, ma sœur? Te prends pas la tête avec ça. Voilà, mais moi je laisserai pas une petite vicieuse monter de face. Touché, écoute moi ce que je vais te dire. T'as vu, laisse les gens parler, laisse même insulter, ils pourront jamais enlever la grandeur et des textes alors qu'il y a certains versets de même pas 10 lignes, on doit mettre 15 ans d'études pour les comprendre. Franchement, voilà, vous êtes d'une prétention extrême. Non, mais il y a des savants pour cela. Pour pouvoir comprendre un texte, il faut savoir parler la langue. Je vais terminer mon propos et je vous laisse. C'est tout. Maintenant, une dernière chose, pour pouvoir prétendre comprendre des textes, il faut avoir fait des études en théologie. Si tu te réfères à des savants, c'est pour soi. Laisse-moi parler. Rind, ma sœur, s'il te plaît, quand tu regardes un film, tu t'arrêtes au milieu, tu penses comprendre l'histoire ou tu regardes jusqu'à la fin? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ta gueule, 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 ta gueule,
Les gens qui insultent le prophète doivent dormir. Pour moi, c'est des chiennes. Pour moi, c'est des chiennes. Pour moi, c'est des chiennes. Ceux qui insultent le prophète, pour moi, vous êtes des chiennes. Pour moi, vous êtes des femmes. J'ai juste dit, l'islam, c'est une religion de pédophiles et qui pousse à l'esclavage et bien d'autres encore. Alors, c'est faux. Alors, tu fermes ton cul parce que c'est faux.